voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super. On y va. Au travail. Par ici. Je suis juste derrière toi. Salut, c'est Lo, et me voici parti sur Jedi Fallen Order. Alors, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeu Star Wars solo. Et ça fait du bien de retrouver cette licence. Admire-moi ça, un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu de Lucarol que depuis un bail. Ouais, clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. Tout va bien? Ouais, ça va. Et y a plus d'échelle. Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Bon, bah voilà, ça commence déjà. Par des petits accidents de chantier. Ah oh, et là c'est une glissade qui nous attend. Une petite descente bien sympathique, on se croirait sur pas des skis, mais un surf. Je suis un déchet, mais pas approuvé. Un déchet pas approuvé. Hop et là, ouais. Les cinq clous le chagrin. Doucement. Je fais que passer. Je t'avais dit de changer le stabilisateur. Eh, maniez-vous, on va réussir à finir en avance. Je peux déjà sentir l'odeur des crédits. Ça va être la grosse fête ce soir. Oula. Ça surprend. Calme le casse-cou. Content de te voir. Moi aussi. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. C'est quoi, des rats de décharge? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Écale, je te retrouve aux pinces. Ça marche. À tout de suite. Oh. Qu'est-ce que tu fais là?
Toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Oula, oula, là, faut faire gaffe, quoi, parce qu'on a vite fait lâcher la touche et pas se rattraper. Allez, encore une petite glissade. Hé, hey, le laser de chantier est là. En avant toutes. Bon, on va s'activer. Ouais, t'as bien raison. C'est bon, viens me rejoindre. Hé, hey, viens, je tiens un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi, là, depuis quoi, 4 ans? 5. Ah, celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. C'est Jedi. Une vraie tragédie. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie, pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. C'était quoi? Moi, punaise. Glissade non contrôlée cette fois. Oh. Bien. Cal, je peux pas remonter. Prof, accroche-toi. Je glisse. Non, ne lâche pas. Je vais pas tenir. Prof, non. Prof. Tout va bien, prof. Ça va. Je suis coincé. Il y a plus de pilote. Sortir de là! Accroche-toi! Attention, Cal! Attention! Ce truc arrive à peine à voler! Tiens bon! Prof, ça va? Ouais! Ok! Ok, il faut qu'on... On doit bouger, ouais. Allez! Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi?
C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des primes sur les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention. Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cal. Ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... C'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je... Je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici... T'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur... Nar Shaddaa. Ouais. Plus voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Ah, mais oui, va. Où tu vas? Bah oui, quoi, où tu vas? Bah oui, quoi. Il dit rien, c'est étrange quand même, non? Souffle pas. Oh. C'est quoi le délire? Ok. Pas bon ça. Hmm.
Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme Ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'il se livre maintenant, ou tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. On sait tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Rendez-vous ça, un sabre laser. Je maîtrise le Jedi ! Contrôle de la perturbation. Ça fait mal. Stop, ne bougez plus. Ah, tu m'étonnes, une telle chute, ça peut faire très mal. On se calme. J'ai un fugitif. Eh, c'est pas la peine de le signaler. Silence. On va passer dans la phase d'apprentissage des commandes. Mes coups de sable sont sympathiques. Maintenez pour bloquer les tirs blaster. Votre jauge de garde diminue en fonction. Je crois que j'ai pas le choix. Avant un tir, le laser touche renvoyé. Ok, ça renvoie. Tu en fais bien. Ok. Voilà. Oh, ouais, je me suis fait toucher une fois à la fin, mais ça va. Nous va réouvrir la porte. Pas le choix. Allez. Faut pas que je m'arrête. Verrouiller la cible. Changer de cible, d'accord. C'est comme ennemi en approche. Il pourra pas tous nous vaincre. Oh ouais, petit. Ah ouais, bien, les petits combos là. Je te laisserai pas t'échapper. Maintenez pour bloquer la plupart des attaques ennemies. Ok, maintenez. Ça passe pas. Trop rapide. Ok, bon là il m'a fait mal.
Mais ouais, ça va aller, oui. Reviens ici. J'ai besoin de personne pour te battre. Ça fait mal, Jedi. Ça faisait la parade. Tu nous arrêteras pas. Mon escouade a été tuée. Je briserai ta garde. Utiliser la force sur tous les objets de contour bleu. Voilà, et hop. Bon, d'accord, on peut ralentir. Oh, j'avais pas fait attention. De ma vie, même pas quoi. Si le fugitif vient par ici, il ira pas. Oh là, ça va être chaud contre 4. Hein. Seulement ce que j'ai envie là. C'est sûr. Il me restait pas assez de vie, hein, vraiment pas. Alors, par contre, dans ce jeu, il s'avère qu'on va, je vais mourir beaucoup de fois. Ça c'est sûr, parce qu'il y a des boss qui sont assez costauds, et des fois même là les troupes descendent plus fort là. Voilà. À l'avant. Arrête le train. Oh non! Il me faut un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant! Oula. Oula là! C'est chaud là. Attendre là, qui tire. Maintenant. Plus vite. Oh punaise. Il est là. C'est mal. On va s'arrêter ici. Ils ont détruit le coupleur. Bravo. Tout cassé. Je dois descendre. Ah ! Ah ! Oh non 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 ! Pas le choix, il faut monter. Mmh.
le sauveur. On vient t'aider. Qui êtes-vous? Pas le temps. Continue, allez. On te récupère dès qu'on peut. Bah maintenant, ça aurait été bien, non? Étourdi, vulnérable. D'accord. Je m'occupe de lui. Ça c'est efficace les parades, hein. Ça va tout seul ça. Voilà. Quoi encore? On s'est arrêté? Qui fait un tour comme ça, c'est pas ça bon. Ça ne me dit rien de bon. Eh oui. Allez, c'est reparti pour une chute non contrôlée. Bon. Ah d'accord, ok, c'est là qu'il me récupère. Allez, on va se louper là. Tiens, non, bon. C'est bon. D'accord. Ça, c'est pas mon ami qui vient me récupérer, non? Tu vas quelque part? Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Je savais pas que Dark Vador avait une petite sœur. Ma patience a des limites. Ton heure a bientôt sonné. Très bien. Tu n'esquiveras pas la suivante. Voilà. Ça, c'était chaud. C'est trop facile. Ah là 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 là.
sans le combo là. Allez, petit Jedi, résiste. Vas-y. Éteins-moi ce truc, et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui, exactement ? Mon nom est Serejunda, et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va ? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu ? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui ? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la Force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi ? Faire renaître l'Ordre Jedi de ses cendres. Vous deux ? Et personne d'autre ? Oh, on n'est pas assez bien pour toi ? Et le Conseil Jedi ? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Bogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Cal, attention ! T'es au courant que tu causes en dormant ? Cinglé. Le vaisseau. Mais elle a l'air assez sympa. C'est bien fait, c'est joli. Tiens donc. Un instrument. Quel est cet instrument ?
Cette ère, je l'ai composée il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Un Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe? Non. Alors, quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment, là-bas? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'Ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi. Bon, et ben voilà, nous sommes arrivés sur la planète Bogano. Ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà ici, pourquoi Serré a besoin de moi? Et nous allons poursuivre la suite dans le prochain épisode. Merci à vous, Jedi et Padawan de la galaxie de YouTube, d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour la suite.